C'est le bon timing. 23h38. Ça fait juste 22 minutes avant le discours. Ben David sera à peine sur place. Alors l'attaque aura probablement lieu au moment où il entrera. Nous avons 12 minutes. Qui est-ce ? J'en sais rien, mais masqué. C'est vous, Kit. Qui êtes-vous ? Je suis Ratib Jawad Singh, mais vous pouvez m'appeler RJ. À propos de toutes mes félicitations, j'ai suivi vos exploits. Vous avez fait un travail impressionnant, pas mal pour un gamin. Je l'ai fait avec plaisir, RJ. Pendant que je vous tiens, votre société dans le New Jersey, elle est morte. Oh oui, j'ai entendu parler de ça. Nous savons que vous avez prévu d'assassiner Ben David, mais vous n'y arriverez pas. Oui. Je crois le contraire. Sachez qu'à l'heure actuelle, Jason King pointe une arme sur votre ami, l'inspecteur Davidson, et ses jolies filles. Eh oui. Et si les choses ne devaient pas se passer comme je l'ai prévu, ils mourront tous les deux. Mais ça dépend de vous, Kit. Oh, et... je vous souhaite une excellente soirée. C'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il a dit? Jason Kim est notre taupe. Il tient Rémi et son père. Et si nous essayons de sauver Ben David, il les tuera sans hésiter. Merci pour votre collaboration. Appelle tout de suite l'équipe Alpha, il y a une prise d'otage. Qu'est-ce qui se passe? Jason Kim, c'est lui notre taupe. C'est dingue. Il est armé et prêt à tuer Rémi Davidson. Sa dernière position est chambre 14 au centre médical. C'est noté. On n'a pas beaucoup de temps. Tous les espoirs de paix reposent sur le dernier prix Nobel, l'avocat Jalil Ben David, qui se prépare à délivrer devant tout le monde un gage de bonne volonté ainsi qu'un nouveau plan de paix en 12 points pour enfin mettre un terme au conflit israélo-palestinien. Et le voilà qui arrive à l'instant. Les chances que Duran les ait mis en sécurité sont minces. L'importance de M. Ben David est prépondérante dans le processus de paix. Il apparaît clairement qu'il est le seul négociateur capable d'apporter une paix durable dans cette zone du Proche-Orient. Sa présence ici ce soir est ressentie par tous comme un cadeau du ciel. Il a fait se rapprocher d'anciens ennemis qui vont se mettre autour de la table et négocier une paix durable. C'est parfait. Kit, je comprendrai. On le comprendrait tous. Ben David est un homme important, c'est vrai. Mais il ne vaut pas ça. Thank you.
Il est touché, David est blessé. La ferme. Comment viens-tu m'arrêter? Vous allez manquer le meilleur moment. Il a failli la voir. Est-ce que c'est lui? Aucune importance. C'est trop tard. La police vient me ceinturer. L'individu s'est approché de la voiture de monsieur. Tuez-les tous les deux. Tout de suite. Nous ignorons qui est cette personne. Monsieur Ben David n'est visiblement que légèrement blessé et son agresseur a été abattu par la sécurité. C'est pas vrai! D'après nos renseignements, Jalil Ben David aurait été blessé par balle il y a tout juste quelques minutes. Lâchez-le! Cet homme m'a sauvé la vie. Non! Ça va aller. Accrochez-vous. C'est bon, je m'en occupe. Vous pouvez vous lever, monsieur? Joran, comment va Rémi? Très bien. Qui m'a été arrêté? Comment va Ben David? On dirait que tout va bien pour lui. Je vais l'accompagner à l'hôpital. Entendu. Je demande à Vandermark de vous y retrouver. Vous aviez raison sur les numéros de série de tous ces appareils. Babour les a comparés avec la liste des abonnés et il en a isolé 5. Vous? Vous en faites pas. Je suis là pour vous aider. Que savez-vous de ces 5 abonnés? Nous pensons qu'ils sont impliqués dans cette attaque. La première s'est suicidée il y a quelques heures de ça, Nina Olisten. Celle du journal télé? Oui. Nous pensons que c'est elle qui a procuré le laissez-passer au tireur. Un photographe du nom de Dale Everby. Le photographe, c'est celui qui a tiré le premier. Laissez-moi deviner. L'autre était le garde qui a tenté de tuer Ben David dans sa limousine. Un gars des services secrets? Oui, Sven Johansen, chef de la sécurité. Il y a des chances que ce soit lui qui ait permis à Everby d'entrer dans le périmètre. Et les deux autres? Anne Cooper et Trevor Lowe. Nous ne les avons pas encore localisés. Cooper est une assistante du secrétaire d'État à la Défense. C'est quoi l'autre nom? Trevor Lowe. Nous ne savons rien sur lui. Je connais ce nom. Je m'en occupe. Il est à bord de l'ambulance. Ne vous arrêtez pas!
avait été blessé par un tireur à son arrivée sur place. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tourette. Non! Nous ne connaissons pas encore l'identité du tireur. Monsieur Ben David semblait légèrement blessé. Je suis désolé de vous interrompre, mais qu'est-ce qui se passe actuellement? Nous voyons l'ambulance dans laquelle se trouve le monsieur. Il est sur le point d'ambulance. Mais qui est-ce? C'est un homme masqué, Vienna. Il porte un costume bizarre. C'est pas vrai! Introduit dans l'ambulance. Et plusieurs coups de feu ont été tirés à l'arrière du véhicule. Intervenir dans ce qui est en train d'évoluer vers une prise d'otage. Oh! Il faut vite le conduire à l'hôpital. Vous vous en sortirez. À croire que Monsieur Ben David n'est que légèrement blessé. La séance est suspendue. Vous avez sans aucun doute dépassé les plus grandes attentes que j'avais placées en vous. Un van? Non, merci. Vous venez de porter un sérieux coup à nos ennemis. Le premier depuis une décennie et le premier d'une longue série à venir. Je suis déçu pour Kim. Je ne l'aurais jamais suspecté de pouvoir nous trahir. Il semblait être quelqu'un de droit. Tout comme vous. De quoi vous parlez? Vous auriez dû le brûler. Brûler? Brûler quoi? Le dernier journal de mon père. Vous auriez dû le détruire. Je suis désolé, je ne vous suis pas. Les derniers mois de sa vie, il a vu certaines choses. Van der Mark. Des choses qui ont altéré sa confiance en vous. Lesquelles? Un penchant pour la cruauté. De l'inflexibilité et un comportement arrogant. Une faiblesse pour les petits plaisirs de la vie. Alors combien les signes vous payent pour nous trahir? Ça n'a aucun rapport avec l'argent. J'ai fait ce que j'ai fait. Dans le but de protéger ce que votre père avait construit.
Le seul moyen de sauver Bahatap était de ramener le 22e fantôme à Bangala. Cela a été mon seul et unique but depuis la mort de votre père. Ma loyauté n'a jamais été défaillante. Et elle ne le sera jamais. Même si pour ça vous divulguez des informations sur toutes nos opérations. Oh, mais j'aurais fait bien plus que ça pour perpétuer dignement l'héritage de vos ancêtres. Mais maintenant, tout ça est derrière nous. C'est l'histoire. Je vous ai entraîné, modelé à l'image de tous vos prédécesseurs. L'avenir de Bahatap est assuré maintenant. Mais entre nous, comment avez-vous su? Pour le journal? J'en savais rien. C'est une idée que j'ai eue comme ça. Vous êtes bien un Walker. Je crois que la fin justifie souvent les moyens. Ça arrive parfois. Mais la plupart du temps, on ne choisit pas les cartes avec lesquelles on joue. La seule chose se dressant sur votre chemin. Oui, la seule chose qui vous empêchait de me transmettre mon héritage était ma famille adoptive à New York. Je vous assure que je n'ai pas tué votre famille. Non, mais vous avez donné assez d'informations au Signe pour qu'il le fasse. Et comment aurais-je pu vous faire comprendre où était votre intérêt? Comment aurais-je pu vous présenter vos ancêtres autrement qu'en vous faisant d'abord subir la cruauté qui caractérise nos ennemis? Ils seraient morts de toute façon. Je voulais éviter qu'ils meurent en vain. Ils étaient innocents. Ils étaient étrangers à notre combat. Ce sont des gens comme eux que le fantôme défend. C'est pour vous, Kit. N'oubliez jamais que c'est moi qui vous ai fait. Tenez. Si vous ne me pensez pas assez digne, allez-y. Appuyez sur la gâchette. Brisez le serment. Vous êtes le dernier fantôme en vie. Faites-le! Votre père serait fier de vous. Ah oui? Vous ne méritez plus de la porter. Kit! 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 Je ne peux pas vous laisser partir comme ça! Je ne peux pas vous laisser détruire ce qu'on a bâti! C'est quoi exactement votre activité? Nous analysons, nous déduisons, nous projetons, et ensuite nous agissons. Disons que c'est comme ce que je fais moi. Et pourquoi vous avez ce crâne-là? Est-ce que vous appartenez à une secte? Nous respectons notre passé. Ce ne doit pas être évident de mettre en place ce genre de structure. Un hôpital dernier cri dans la jungle, un labo et tout le reste. Toutes ces dépenses, il y en a pour des millions de dollars.
On se débrouille. Qui est le patron ici? C'est à vous de jouer, inspecteur. Il y a forcément quelqu'un à la tête de l'organisation. Hein? J'aimerais le rencontrer avant de partir pour le remercier pour ce qu'il a fait pour moi. Mais je le ferai. Je lui transmettrai tous vos remerciements chaleureux. Est-ce que je ne pourrais pas le voir? Allons, docteur Babour. Hein? Je sais que je ne suis que le père de Rémy, mais... disons que je pense avoir le droit d'être mis au courant. Il y a effectivement quelqu'un d'adorable. Une personne qui est notre source d'inspiration. Une personne qui nous a toujours montré les règles éthiques que nous suivons avec grand plaisir. Il n'est pas ici, ou là. Et nous ne savons pas vraiment où il se trouve. Il apparaît quand vous y attendez moins, et il disparaît. Tout aussi rapidement, c'est une créature immatérielle. Personne ne l'a rencontrée, c'est une légende. Merci, docteur. Vous venez de me donner la définition parfaite du fantôme. Je crois que vous êtes échec et mat. Le docteur Edvardsen dit qu'il pourra bientôt remarcher avec une canne s'il fait bien ses exercices. Ça, c'est pas encore gagné. Je suis persuadée qu'il vous écoutera. Vous serez ravis de savoir que les accusations contre votre père et son collègue ont été retirées. Et les services de police sont prêts à le réintégrer dès qu'il sera en état de travailler. Merci. Je ne sais pas quoi vous dire. Si vous avez besoin d'une quelconque assistance, prenez contact avec nous sans tarder. Merci. Voilà, votre avion est arrivé. Quand vous voudrez. Rémy. Je croyais pas que tu viendrais. Il le fallait. Tu as lu le journal de mes ancêtres? Oui. Tu as changé. J'avais tort, Chris. Je suis amoureuse de toi. Et ça déjà... depuis le premier jour. Enfin, je crois. Tu ne restes pas ici. Il faut que je veille sur lui. Il a besoin de moi actuellement. C'est Kit. Kit.
tu veux bien remercier les fantômes pour moi. Ce sera fait. Principale préoccupation des fantômes est de veiller à ce que sa descendance soit assurée. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons tous à la croisée historique de nos routes. Et même si nous affrontons un ennemi qui nous poursuit sans cesse et ne nous lâche pas depuis le commencement, nous n'avons plus un seul descendant des Singh en vie. La lignée est morte maintenant. Ratib Jawad était malheureusement le dernier Singh. Mais même frappé par le malheur, la chance nous fait un petit cadeau. En nous donnant un nouveau leader, une personne de grande loyauté, une personne de caractère et d'une très grande rigueur, un chef qui admire notre longue histoire et respecte toutes nos traditions, et le plus important de tout, qui connaît bien les qualités et les faiblesses de nos ennemis, j'ai le plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter notre nouveau président-directeur général, Abel Vandermark. Bravo. Bienvenue. Bravo. Mesdames, messieurs, Singh est mort. Longue vie à la communauté Singh. Longue vie à la communauté Singh. Et mort aux fantômes. Précédemment dans le fantôme. Précédemment dans le fantôme. Votre nom de naissance est Kit Walker. Vous êtes né à Gstaad en Suisse et vous portez le nom de votre père qui était un homme important. Votre mère a été tuée. Vous étiez en voiture avec elle quand on l'a forcée à quitter la route. Cet enfant a ensuite été adopté par Frank et Pam Moore. Mes parents sont morts! Deux mecs m'attendaient à la maison! Ils ont voulu me tuer, ces deux salopards! Walter! Démon! Qu'est-ce que vous voulez? Le monde a besoin de vous pour revêtir la cape de vos prédécesseurs et reprendre la lutte contre le mal. Jalil Ben David, faut l'éliminer. Avec la technique vicaire, je vous assure que nous serons capables de programmer n'importe qui pour qu'il fasse tout ce que nous voudrons. Vous devez tout oublier de votre ancienne vie. Je ne peux pas!
L'inspecteur qui a découvert cette affaire est le père de mon ami. S'il ne met pas un terme à cette enquête, la communauté Singh va le condamner à mort. Vous avez vu Kit? J'allais vous prévenir. J'ai essayé de l'appeler, mais il ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a pénétré dans le labo. On a fouillé partout sans le retrouver. Il manque quoi? La dernière évolution du costume. Envolé. Y a-t-il eu des mouvements d'avion entre 19h et 6h ce matin? Il a fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a déposé un plan de vol? Si vous y arrivez, prévenez-moi immédiatement. Guran a décollé cette nuit à 3h19, à bord du jet privé. Vous pensez qu'elle l'a volé? Elle a dit à Heinz qu'elle l'emmenait à Heathrow pour la maintenance. Kit était avec elle. Monsieur Davidson, qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez-moi, il faut que vous cessiez votre enquête. Où t'étais passé? Ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que je sois en vie et que vous arrêtiez l'enquête. À l'instant, tu te rends compte de ce que t'as fait subir à ma fille? Oui, et dites-lui que je suis désolé. Tu sais quoi? Tu lui diras toi-même une fois que je t'aurai bouclé. Pourquoi? T'inquiète, je trouverai un motif. Hé, hey Clark! Regarde un peu qui y a là! Entre là-dedans! Clark! Non!